Salut, c'est Guy Torama, on se retrouve pour l'exercice du lundi. Alors aujourd'hui, on va se faire l'escalier. L'escalier, tu l'as peut-être déjà pratiqué parce que je l'ai déjà montré dans le béaba de la guitare en médiateur blanc. Mais on va aller un petit peu plus loin là-dessus. Donc l'escalier, c'est un exercice qui est pas très musical, très rébarbatif, mais qui est terriblement efficace pour améliorer sa technique. Du coup, si tu le pratiques régulièrement, pas longtemps, mais 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 2-3 fois par semaine, voire après si tu es un acharné tous les jours, ça paye et ça permet vraiment d'aller plus loin, de s'améliorer en termes de coordination main droite, main gauche. Donc l'idée comme ça, c'est d'améliorer sa technique et de faire des doubles croches par exemple et de pouvoir y arriver avec un tempo soutenu. Bon, dans l'idée, donc là j'ai fait des doubles croches par groupe de 4, des doubles croches par groupe de 2, puis des doubles croches entre guillemets simples. Je vais développer un petit peu ça plus loin. Quoi qu'il en soit, avant de démarrer, on va faire une petite révision rythmique et parler de la main droite. Donc, on va juste se faire un petit truc comme ça pour être bien sûr que tu connaisses bien tes figures basiques rythmiques. Je vais mettre un petit tempo modéré et on va faire des noirs en aller, des croches en aller-retour. Après, on va essayer des croches swingées. Je reviens pas forcément sur ce qu'est la croche swingée parce que j'ai des tutos dédiés à ça, donc tu les trouveras hein, si tu sais pas ce que c'est. Après, on peut enchaîner sur des triolets. Donc des triolets, c'est 3 coups par temps. Alors dans un premier temps, on se rappelle qu'il y a 3 façons de faire le triolet. Soit tout vers le bas, triolet, 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 technique numéro 1. Soit bas, au bas, au bas, au bas, au bas, technique numéro 2. Et la dernière qui permet d'aller plus vite, mais sur laquelle on va être à l'envers un temps sur deux. Donc, triolet, 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 triolet. Donc, je reprends mon exercice. Une mesure de chaque. Noir, croche binaire, croche ternaire, triolet. Et tu peux essayer comme ça avec tous les types de triolets. L'idée, c'est de passer comme ça de l'un à l'autre. Alors, si tu te demandes pourquoi je vais faire ça, c'est parce que c'est tout des trucs, des formules rythmiques qu'on va pouvoir appliquer à l'escalier. Donc, clairement, si je te fais faire l'escalier en te disant « Tiens, on va le faire en croche swingée », il faut que tu saches de quoi je parle. Et après, pour corser un petit peu, on va passer en croche tout vers le bas. 1 et 2 et 3 et 4. Ça, c'est facile. Mais tout de suite derrière, on enchaîne sur les doubles croches. Donc, 4 doubles. D'accord ? Donc tu peux t'entraîner comme ça, juste main droite, à faire toutes ces formules et après il faudra faire la même chose, mais avec en plus la main gauche qui va venir faire l'escalier. Alors, comme j'ai déjà montré l'escalier en mode slow motion pour les débutants, là on va attaquer directement avec des croches tout vers le bas. Je vous donne un tempo, donc pareil, hein, ceux qui n'ont pas vu l'exercice, l'idée c'est de partir de la corde à vide, 0. Après, on fait index en case 1, majeur en case 2, annulaire en case 3. À chaque doigt sa corde, d'accord, et on change, on passe sur la corde de La. Et ainsi de suite sur la corde de Ré. On le fait ensemble avec des noirs. 3, 4. Ça, c'est juste pour se remettre dans le bain. On monte notre escalier. Et quand on arrive sur le mi aigu, notre escalier, il ne nous reste plus qu'à le redescendre. Donc je redouble et je repars sens inverse. Ok, donc jusqu'ici tout va bien. Et quand on va repartir, on va essayer de redémarrer mais avec des croches tout vers le bas. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, d'accord? Deux coups par corde. D'avoir une mesure par corde.
exercice, on vient faire un Mi majeur de préférence. Ça met un peu plus de nuance. Ok. Alors, clairement, si tu n'arrives pas à le passer comme ça en croche, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Sinon, on va attaquer la double croche. Donc, il faut bien comprendre que quand on fait des croches comme ça avec la main droite, tout vers le bas, on fait tout vers le bas. Quand on passe en double croche, c'est juste qu'on met le retour. Ta main, elle va deux fois vers le bas. Donc, pour faire de la double croche, tu fais entendre la remontée. Quand tu fais deux coups vers le bas, ta main, elle remonte, mais sans jouer. Donc, l'idée en double croche, c'est qu'elle remonte en jouant. Tu peux déjà te chauffer un petit peu juste main droite et essayer de faire comme ça des doubles croches. Donc, 4 coups par temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Quand tu comptes, je te conseille de dire 1, 2, 3, 4 et pas 4. Parce que quand ça va vite, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 4, c'est trop dur à dire. C'est important de bien visualiser ça, le fait qu'il y ait 4 coups par temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu commences comme ça, alors peut-être plus doucement hein, au début, c'est pareil, ça dépend de ton niveau. Tu le fais sur toutes les cordes, puis après tu le fais comme si tu voulais viser que les 3 graves. Et après tu le fais comme si tu voulais viser plus que la corde demi grave. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et c'est déjà plus dur parce que ça demande plus de précision, d'accord ? Tu peux avoir un appui sur la guitare hein, si tu préfères, tu peux être, les guitaristes électriques peuvent être en position de mute. Bref, et après on va démarrer notre escalier en double croche. C'est parti pour l'exercice, en groupe de 4, ça veut dire que je vais faire 4 fois la même note avant de changer. Donc je fais des doubles croches, 4 coups par temps, 1, 2, 3, 4, d'accord, on a compris le truc. 1, 2, 3, 4, 4 fois le Mi. Et après, je vais en Fa, Casin, 4 fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 4, double, 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 4. Déjà assez rapide, hein. On n'hésite pas à le faire plus doucement. 1, 2, 3, 4, 1. Et pareil, pour être sûr de notre coup, on peut faire un petit accent comme ça sur chaque temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ainsi de suite. Après, c'est pareil, selon le niveau, clairement, il faudra essayer avec un tempo plus rapide. Je reste en double croche, mais ce coup-ci, au lieu d'avoir 4 notes à chaque fois, comme ça, mi, 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 fa, 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 dièse, 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 sol, 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 je vais avoir plus que 2 notes, donc 2 mi, 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 fa, 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 dièse, sol, sol. 0, 1, 2, 3 si tu préfères. Je reste en double croche et du coup je vais avoir ça. Alors il faut bien faire gaffe que ça se transforme pas. Le but du jeu c'est de faire 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Attention à ce que ça se transforme pas en ça. 0, 1, 2, 3. Si tu te mets à doubler le tempo au pied, c'est plus des doubles croches, c'est des croches plus rapides et c'est pas le même feeling. D'accord ? Donc pour rester en double croche, tu dois bien avoir ce battement-là. 1, 2, 3, 4. J'espère que tu m'as fait bien comprendre. On essaye l'exercice, pas trop vite, et petit à petit, tu l'accéléreras. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je reviens. Je l'ai fait sur les 3 cordes graves,
Mais clairement, c'est mieux de le faire sur toutes les cordes. Là, c'est histoire de gagner un petit peu de temps. Bon, une fois que tu l'as, c'est pareil, tu essayes d'accélérer. Alors attention, faut pas vouloir aller trop vite non plus, faut trouver le juste milieu. Si tu sens que ça devient n'importe quoi, c'est que c'est pas ton tempo. Faut vraiment accélérer progressivement. C'est vrai que ça peut être pas mal de le faire avec métronome aussi, comme ça tu vois tes progrès. Tu commences tranquille à 80 par exemple, la semaine d'après tu passes à 82, 84, voilà, progressivement, sur longtemps, hein, mais sur un an, on arrive clairement à voir ses progrès. Ok, escalier, on reste sur notre escalier. Ce coup-ci, en groupe de 1, entre parenthèses, par 1. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que le premier exercice, c'était qu'on quadruplait les notes. 1, 2, 3, 4, et je change. Dans l'exercice numéro 2, on doublait les notes. D'accord ? Donc, ce coup-ci, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et le petit dernier de la série, je fais tout en aller-retour direct. 1, 2, 3, 4. Il y a un truc qui est important, hein, toujours garder le cross-picking à la main droite, toujours en aller-retour. Hein. Donc pareil, on a compris l'idée, je vais le faire uniquement sur la corde de mi la ré. Donc attention, pareil, pour que ça reste des doubles croches, on doit avoir 4 coups par temps, par battement au pied comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Attention de ne pas faire un truc du genre 1, 2, 3, 4, sinon c'est pas des doubles croches. D'accord ? Donc pareil, ça va assez vite, hein, au final. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pareil, hein, si ça marche pas à ce tempo, ben doucement. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Chaque fois que tu prends ta guitare, comme ça, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Alors, suivant ton niveau, tu vas faire l'escalier en noir, en croche. Après, pour aller un peu plus loin, tu passes en double croche. Et on se rappelle que tu as des groupes de 4, des groupes de 2, et des groupes de 1, entre guillemets, enfin, un coup. C'est un exercice qui va vraiment te délier les doigts. À noter que on peut le faire avec d'autres figures que la double croche, hein. On peut le faire avec des triolets, on peut le faire avec des croches swingées. Ne pas hésiter à essayer tout ça aussi, d'accord ? Là, j'ai attaqué direct sur de la double croche, mais c'est hyper important d'essayer aussi avec des triolets, par exemple. Et ben voilà, travaille bien tout ça, toute la semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel exercice. Allez, à plus !